Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de Metal Gear 5 Ground Zero, donc qui est comment dire la partie juste avant le futur jeu de Kojima, savoir Phantom Pain. Pour l'instant, pour lequel, puisqu'il y a eu des démentis, je crois, il n'y a pas de date pour l'instant de sortie. Peut-être le premier semestre. Donc à voir. Donc là actuellement ce que vous voyez ce n'est pas une cinématique, c'est bien le moteur du jeu. Donc je l'ai déjà commencé. On va sélectionner une mission, je pense. Oui. On va faire la mission de base. Bon, c'est pour un peu montrer les mécaniques du jeu, bien que je ne les maîtrise pas spécialement, vu que moi mes dernières parties de Metal Gear datent pour ceux qui s'en souviennent du MSX2. Avec des jeux en cartouche avec Metal Gear 2. Donc je vous laisse profiter des cinématiques et on se retrouve juste après. Told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Give my regards to your boss when you get home. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz to be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved, bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side.
So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Donc nous nous retrouvons pour le jeu. Donc il donne des conseils de base sur l'utilisation notamment des lunettes. Pour avoir donc la possibilité de marquer les cibles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce jeu, c'est toujours la même carte qui est utilisée pour toutes les missions. Alors ça, je sais pas ce que c'est. D'accord. Ah oui. Je sais pas ce que ça fait. All quiet. Those new guys. You see the choppers? Who are they with? It's me, man. Green Berets, SEALs. On va quand même récupérer le silencieux, quoique 30 sur 270. Donc l'arme là qu'a Snake, comme vous le voyez sur le côté droit en bas, il y a une petite barre sous l'arme. Ça correspond à l'usure du silencieux. Donc, et ça c'est l'arme un peu, on va dire, historique de Snake, à savoir le pistolet qui permet d'endormir. Keep low. You can check the controls on the pause screen. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. To climb an obstacle, press the action button. Alors on va essayer. Hop. Donc, interroger. Allez. Donc, les ennemis donnent des caches, des marquages de cibles, etc., etc. Alors, on sanctionne énormément le fait de tuer les ennemis, mais là.
j'avoue. Que pour avoir assez boulingué dans le dans la carte, bon ben c'est bien sympa de les endormir ou alors de les étouffer pour qu'ils perdent connaissance, mais bon quand tout le monde se réveille, j'avoue que c'est pas très très. Spécialement cool. Donc on va essayer de rejoindre la prison. Qui est de l'autre côté. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Essayez d'observer, je pense que le mec là-haut. Il n'y a que cette partie-là. Véhicule. Allez. On va essayer d'observer un peu le parcours de la tour de guet. J'ai l'impression que ça s'arrête par là. On peut peut-être tenter par là. Par là. Alors. Distraction complète. Alors, de temps en temps, il monte. Voilà. Alors on va vérifier sur la carte. Voilà le camp. That's the old prison area. The targets are there.
et les mecs sont embusqués. Génial. Ils sont tous embusqués. Allez, on va essayer autrement. Donc il y a une seule entrée à la prison. Open, boss. Ouais. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est on a quelques secondes pour faire basculer en fait la situation. Je crois qu'on peut sauver tous les prisonniers. On verra par la suite. Voilà la cible. Les scènes sont très réalistes, enfin, je trouve, hein. C'est pas prêt de se terminer. Et moi je trouve personnellement le travail sur la 3D, là on vient de voir juste le souffle de Snake avec le froid, enfin l'incorporation dans le jeu, c'est vraiment splendide. C'est vraiment sordide, hein. Okay, boss, change your plan. Call Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down.
Mission Ava has been updated. Mark the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Map has been updated. No! Ah, punaise. Ce qu'on va faire pour l'instant, j'irai aussi. Là. Ça suffira, c'est pas la super discrétion, mais bon. Alors, ce qu'on va faire, parce que là ça va être un petit peu compliqué, voilà. Là, en fait, on fait appel à l'hélicoptère. Voilà, il arrive. Donc, là, on va exfiltrer Chico. Qui m'empêchera peut-être pas après d'aller chercher les autres prisonniers là-bas pour les exfiltrer aussi. Mais on verra après. Je pense, vu comme la vidéo est longue avec l'introduction, je ferai une seconde vidéo à partir de là. Enfin, j'essaierai déjà de. Voilà. Je pense que ça devait déclencher un waypoint, le fait de finaliser la première cible. Ah, oh, punaise, si c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Chico, where is Paz? Ah oui, d'accord, ok. She's dead. When was this recorded? She's dead. Sauvegarder. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est la cassette en fait qui a laissé tourner Chico et qui va permettre de pouvoir localiser Paz dans la cible. Mais ça, on le verra lors d'une prochaine vidéo pour la seconde partie, puis surtout le grand final de ce DLC plus. Parce que quand même, il faut en parler un petit peu, ça coûte la bagatelle d'une vingtaine d'euros. Cette carte principale et toutes les missions secondaires qui se passent exactement sur le même lieu. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais ça permet de tester le moteur, de voir un petit peu comment tourne le jeu, vu qu'il semblerait hein, que Phantom Pain soit à l'identique. Donc que du plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu et nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo, la suite, très bientôt. Allez.